Voilà, départ à la chasse. Premier matin, on vient de quitter le camp. Découverte d'un nouveau pays. On va réussir, on a des bons guides, donc ils connaissent le pays. Cette chasse-là, elle est peu répandue, puisque ce sont des musulmans. Ça fait que bah, comme ils touchent pas aux animaux, il y a beaucoup de gibier. Première descente, première ascension, il fait chaud. On s'est tapé 400 ou 500 mètres de dénivelé positif, en plus du négatif en quittant le camp. On arrive sur les premières belles collines. Les buissons ont l'air épais, on pense qu'il y a du sanglier par ici. Ça devrait pas être mauvais. Bon, tu as eu la chance d'observer quelques sangliers, mais pas de gros mâles dedans? Non, il y a une troupe d'une vingtaine, mais non, que des grosses mamas. Dans une demi-heure, il fait nuit. On est à 3 heures de marche du camp. On s'éloigne, on repère un gros sanglier. On l'approche. Quand on sera rentré ce soir à la maison, si on rentre, on aurait fait plus de 30 km sur la journée. Le mec qui est derrière moi, il en peut plus. Dans ce pays, ils vont me faire crever. Vas-y, vas-y. Non, mais il y a l'herbe, il y a l'herbe du canon. Attends. Quand tu veux. Même si tu peux, pas dans la tête. Saute. En pleine colonne, normalement. La nuit va tomber, ils veulent qu'on se dépêche, la nuit va tomber. Il faut qu'on se casse parce qu'on a 3 heures de marche pour rentrer au camp. On a une quinzaine de kilomètres. On voit même pas le camp d'ici, il est super loin. Je sens lui, il est mort, on a fait une chasse de fou. Il pensait pas y arriver. Mais 75 mètres, on l'a tiré. 75 mètres. Dans les montagnes du Tadjikistan, c'est une journée de malade. On vient de rentrer au camp. Il est 20h, pas mis 2h55 pour rentrer. Franchi trois vallées, trois rivières. Beau boulot, mec. La journée était bonne quand même. Beau boulot. Malgré la douleur. On rentre. Allez, c'est parti pour ce troisième jour de chasse. En espérant qu'il soit fructueux. Et pas trop dur. C'est le principal. À ce qui paraît, Jérémy, t'as fait un peu de sport au Tadjikistan. Ah non, c'est des conneries, ça. Que des plaines. On va dans la Marne. C'est comme ça les plaines ici. Normal. C'est normal les plaines ici. Hop là. On a commencé la chasse il y a une demi-heure. On vient d'observer 40 sangliers qui étaient dans le vallon en dessous de nous. Deux compagnies de 20. Des grosses femelles et des pleins de petits. Et pas de gros mâles derrière. Les gros mâles sont quelque part, hein, leur route se termine. Ils sont en train de se reposer. Un super spectacle, une vue magnifique et les animaux qui montent sur le vallon en face. Vraiment sublime, on en a pris plein les yeux. Les guides ils sont heureux, ils ont les jumelles, la longue vue. Et nous on fait des images et on profite. Et puis que... C'est joli hein. Magnifique. On va continuer. On espère bien tomber sur un gros mâle, hein. On est là pour ça. On a pas mal de traces de loups aussi précédemment là. Tiens Jérémy, regarde les sangliers là-bas à droite, sur le troisième vallon. Deux grosses femelles et quelques petits. Cherche bien, peut-être on va trouver un mâle. Il y en a un wagon. Ouais. Ah, il y en a un paquet. Come on, papa, Jérémy. Comme il était bon, je l'ai gelé. Des
qui se met de profil, c'est quand tu veux. Super tir, voilà, le Tadjikistan livre toutes ses promesses. On termine ce séjour par le prélèvement d'un gros sanglier, c'est le dernier jour. Une belle balle de Jérémy, encore une balle d'anthologie puisque c'est 3 sangliers et 3 balles qu'il a mis. 3 balles super bien placées, un beau gros sanglier pour terminer le séjour, des guides plus que compétents. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.